En tant que coordinateur du mouvement Yanamar, depuis la semaine passée, nous avons en association avec le Forum civil Yanamar et toutes les autres organisations de la société civile à Saint-Louis, organisé des auditions qui consistent à écouter les candidats autour de leur programme. Cela s'est déroulé à la Chambre de commerce depuis la semaine passée et hier, aujourd'hui, nous devrions recevoir Cheikh Gaï et Mansour Faye, mais que ces derniers ont brillé par leur absence. Et je crois que si vraiment Saint-Louis leur tenait vraiment à cœur, ils n'allaient pas vraiment rater cette occasion-là pour communiquer avec les Saint-Louisiens. Parler, communiquer avec les Saint-Louisiens sur leur programme, parce qu'ils ont une vision, je crois, pour Saint-Louis. Donc vraiment, nous déplorons, et vraiment c'est regrettable qu'ils puissent fuir comme ça leur responsabilité. C'est une fuite vraiment de responsabilité, parce que au départ, nous nous sommes entretenus, nous avons tous en consensus décidé ensemble et sur des modalités très claires comment organiser cet exercice-là, et ils nous ont donné leur accord, ils sont engagés à y participer. Donc on a dressé un calendrier et tout le monde était d'accord. C'est pourquoi on l'a déroulé et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas voulu honorer quand même leur engagement. Et donc cela nous donne à dire que est-ce que demain ces engagements-là ne vont pas être trahis si les Saint-Louisiens portent confiance sur eux. Parce que comment est-ce que vous pouvez vous engager avec des gens à signer tout ça et qu'après vous trahissez la confiance et l'engagement des uns et des autres. Donc cela nous fait vraiment peur. Ça nous fait peur et nous inquiète surtout sur vraiment ce que nous avons comme modèle d'autorité. Nous avons vraiment des modèles d'autorité et qui nous poussent à douter. Cela nous pousse vraiment à douter et c'est vraiment déplorable.